C'est le matériau qu'on va trouver qui finalement va... Et on ne sait pas à l'avance pourquoi, mais on le prend quand même. Et puis on peut le laisser de côté, puis un jour, ben voilà. Il suffit qu'il y ait une situation comme là, comme ce travail qui vient ça. Ça faisait depuis 4 ans que j'avais acheté une série comme ça, donc un miroir convexe. Et je l'ai posé au sol et subitement... avec du volume, beaucoup de volume. Et c'est, là, on s'est aperçu tous les deux l'effet que ça pouvait donner. Et c'était enfermé depuis au moins 4 ans dans une voiture. De l'un qui va être combattu et qui va être négocié pour, face au territoire de l'autre. Et quand on fait travailler en plus deux artistes qui sont un couple, qui sont à la vie comme à la scène, c'est encore plus dur parce qu'il y a des tensions qui nous dépassent un peu. Et là, moi, je ne vous ai pas vu travailler, mais le résultat, il est qu'on a un peu l'impression qu'on a un seul artiste. Ça fait des années qu'on est ensemble, ça fait des années qu'on travaille ensemble, donc il est normal qu'on expose ensemble. On est devant quelque chose de naturel, d'équilibré, d'homogène, qui n'en fait pas trop, qui n'en fait pas trop peu. Et donc ça, je trouve qu'il y a une réponse entre chaque œuvre qui est très homogène, et que chaque œuvre en elle-même, pris individuellement, fait sens et ne déborde pas sur les autres œuvres. Nous sommes tous les deux très sensibles à une chose et c'est vrai que ça se reflète dans notre travail. Et puis surtout, je vais dire, c'est cette liberté qu'on a eue de pouvoir exposer ce qu'on expose. On n'a eu aucune contrainte. Et pour nous, ça a été quand même extraordinaire. Et on s'est fait vraiment plaisir. Je suis très émue parce que c'est quand même pour moi la première fois que je présente réellement. Voilà. Ce sont vos questions qui m'intéressent.